Par exemple, il est là, on le pointe ici, et il pousse. Soit donc, je ne dois pas essayer de l'arrêter, parce que s'il est plus fort que moi, le centre de gravité vient sur la jambe arrière, et les épaules montent comme ça. Donc, à partir de moi, si j'essaie de tourner, je vais reculer. Donc, quand je parle d'équilibre, je veux que quand il pousse, il ne trouve pas de. Il trouve rien pour ce coup. C'est pour ça que sa propre force retourne sur lui. Donc c'est pas comme lui il pousse ici, moi je pousse de l'autre côté, j'essaie de tourner, donc il va utiliser toute ma force à moi. Ce que je veux moi, c'est absorber sa force. De manière à ce que. De manière à ce que c'est lui qui m'aide à faire le mouvement, pas moi. Okay. Et ça, c'est aussi si on n'a pas de tension dans la partie haute du corps. Okay. Donc il faut complètement la participer du corps complètement décontracté. On respire bien. On met l'énergie ici, dans le tandem. Ici. On est bien tendu, mais sans tension. Et on respire bien. De manière à ce que. Et pas de. Pas de décontracté. Ok. Et en plus, s'il n'est pas là, si je pousse moi aussi, et pour quelle raison il n'est plus là, je perds l'équilibre. Ok. Si j'utilise mon centre, quand il pousse, moi, je ne perds jamais l'équilibre. Okay. C'est pour ça que c'est possible de faire un time rainbow. Autrement, si on est comme ça, on est tout seul. Et l'idée, c'est pas ça, c'est de. Il est là. Okay. Donc, il pousse. J'absorbe son énergie. C'est pour ça que les 10 techniques sont possibles. Autrement, c'est. Comment il faut avoir des. Et donc, peut-être on va essayer de faire ça. Si jamais, c'est pas un exercice de force. Donc si vous voyez que vous n'y arrivez pas, demandez à votre partenaire de pousser un peu moins fort, les contractions. Okay. Et c'est pour les femmes, mais peut-être si vous trouvez que vous êtes poussé en arrière, vous pouvez utiliser les deux mains. Mais il ne faut pas résister. Il faut décontracter et il faut essayer vraiment de décontracter. Mm-hmm.